Première visite sur le terrain de la délégation de la Banque mondiale, la centrale thermique d'Azito dans la commune de Yopougon. Objectif, voir comment évoluent les travaux d'extension de la troisième centrale thermique lancée en 2011. Coût de l'extension, 208 milliards de francs CFA, financement assuré par la SFI, Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale. La délégation de la Banque mondiale a pu se rendre compte, après plus d'une heure de visite, que les travaux avancent bien pour que la troisième turbine à gaz soit opérationnelle en 2013. Avec cette troisième centrale thermique, la Côte d'Ivoire va disposer de ressources énergétiques suffisantes pour faire face à une demande sans cesse croissante. Azito 3 va fournir 150 MW supplémentaires. Avec l'énergie produite par les deux premières turbines à gaz, la capacité totale de la centrale thermique entrée en service en 1999 atteindra les 450 MW, de quoi assurer l'indépendance énergétique de la Côte d'Ivoire et d'exporter vers les États voisins. Tout de suite après cette visite, c'est la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui reçoit la délégation de la Banque mondiale. Cette rencontre a permis aux administrateurs de mieux comprendre les missions de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Nous avons pris acte de ce que la banque peut faire, surtout dans le domaine économique et de la reconstruction physique des infrastructures, surtout dans les zones qui ont été particulièrement touchées par le conflit. Et nous partons avec le sens de la responsabilité, de la petite responsabilité que aussi les acteurs externes peuvent assumer pour contribuer aux initiatives de la Commission. Nous allons certainement en attendre les recommandations pour pouvoir aussi orienter notre action et notre réponse. Prochaine visite sur le terrain de la délégation de la Banque mondiale, le projet Emploi Jeune de Bingerville et le complexe agro-industriel de la commune de Grand-Lahou.